Salut tout le monde, c'est Gelat. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette quatrième partie d'Obscuritas. Mais ce soir, je ne suis pas tout seul. On est avec Twitch ce soir, ça fait bien plaisir. Vous dites tous coucou YouTube, mais ça se verra pas sur l'écran, c'est dommage. Les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont dire que je parle tout seul. Allez, c'est parti, let's go. Bon, du coup, la dernière fois, on s'est arrêté ici. Et voilà, l'ombre vient de m'éclater à la gueule, comme la dernière fois. La salle du pantin. Normalement, elle va éclater son ballon. Pas de surprise pour moi, pas de surprise. Tranquille, pas de surprise. J'ai déjà 5 piles de rechange. Donc, je vais recharger la lampe. Je vais mettre mon casque à fond les ballons. Parce que moi, j'aime bien. Je me mets dans l'ambiance. Et on est parti. Let's go. Allez. Ok. La dernière fois, si vous vous souvenez bien, j'étais mort par ici, avec des pièges. Il se trouve qu'en fait, j'ai à peu près la solution pour passer. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On va y aller tranquillement. C'est carrément le zoo de Beauval là-dedans, mon vieux. Il y a des éléphants, il y a des zèbres, il y a tout là-dedans. Voilà, regardez, c'est ça, là. C'est ces machins-là. En fait, il faut bien passer sur le côté. Et ça passe, nickel. Oh, excellent. Un hippopotame. Trop fort. Comment je peux passer? Salopard! Je savais qu'il allait me sauter sur la gueule la dernière fois. C'était le crocodile qui m'a sauté dessus. C'était le crocodile la dernière fois. Ça passe d'après vous ou pas? Oui! Ça passe! Ça passe, ça passe. Ouh putain, c'est quoi ça? Il y a une araignée. Saloperie, va. Dégage de là. Ok, 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 ok. Donc, en fait, il faut vider la piscine à l'aide de notre petite manivelle. Voilà. Après, je ne connais plus. Attendez, par contre, là. Là j'ai un doute. Est-ce que vous pensez que je ne vais pas me péter les jambes si je saute comme ça? Allez. Oh non. Putain, moi je me serais déjà cassé les deux jambes, moi. C'est délire. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Let's go. On va allumer un peu la lumière. J'espère que vous voyez bien. Dites-moi dans le chat. Ce serait cool. Donnez-moi de la force et du courage pour avancer dans cet horrible jeu. Ouh, ça sent le piège. Ça sent le piège. Attends, tu m'as pris pour... Il m'a pris pour un bleu, là. Il m'a pris pour un bleu. Non? Ah non. Ok. Très bien. Pas de panique. Don't panic. Ok, je pense que si je marche sur cette plaque, je suis foutu. Donc, on va plutôt passer par la droite. Allez, let's go à droite. Ouais. Très bien. On se casse de là. Moi je veux bien, mais ça va jusqu'où comme ça? Écoutez, je vous laisse décider dans le chat. Est-ce qu'on va tout droit ou bien à droite? C'est vous les maîtres ce soir. Est-ce qu'on va à droite ou en bas? On dirait une question pour qui veut gagner des millions. La réponse A ou la réponse B? Je pense que la droite l'emporte. Bande d'extrémistes. Allez, on va donc aller à droite. Vous avez raison, de toute façon, l'escalier ne me disait rien. Ok. Des allumettes. Il y a l'air d'avoir pas grand chose ici, à part des allumettes. Donc, de toute façon, là-bas c'était l'escalier. On n'a pas été ici. Ok, bon bah du coup, je crois que finalement on va devoir descendre l'escalier quand même. Allez, pas le choix. On va devoir aller à l'escalier quand même du coup. Allez, let's go. Attendez. Je pense que si je marche là-dessus, c'est bon, ça passe. Salopard. Ça passe, ça passe. Alors là, bon. Bon, écoutez, cette fois-ci, c'est moi qui va choisir. On va aller tout droit. Allez, c'est parti. On va pas. Hein. Bon, bah, d'accord. La prochaine fois, je vous laisserai choisir. Un cul-de-sac. Allez, on va aller par là. Très bien, on va avancer. Putain, comment que c'est stressant la musique. C'est ultra stress. Alors, surtout, n'hésitez pas à monter le casque, hein.
Ça... Voilà, normalement, je parle moins fort que le jeu, donc... Ça devrait être cool. Ça, c'est un piège. Vous voyez? Regardez. Regardez. Vous voyez? Je l'ai vu direct. On va passer bien sur le côté, tranquille. D'accord. Oh, regardez celle-là. Saloperie, va. Ok, on va avancer pour l'instant. Tout droit ou à droite? Qu'est-ce qu'on fait, les gens? Ils ont tranché, on part à droite. La sentence est irrévocable. Et à droite, à droite, à droite, hein? Droite, 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 regardez ce qu'il y a à droite, là. On va éviter de marcher là-dessus. Ouh. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Du coup, on va descendre. J'ai l'impression que plus ça va, plus on s'enfonce, hein. Depuis tout à l'heure, je monte pas, mais je fais que de descendre. Je dis ça comme ça. On va aller par là. Oh putain. Ah non, c'est bon. Salopard. Tiens. C'est quoi ça? Oh, d'accord. Premier casse-tête qui commence. On a déjà ramassé une petite statuette. Bon. Ça passe. Y aurait-il pas une histoire avec ces statues? Bon, écoutez. On va avancer. On avance. On avance tranquillement. Je pense que c'est un cul-de-sac. J'ai bien pensé. C'est un cul-de-sac. Ok. Jean-Michel Jolat va-t-il réussir l'énigme? Bah pour l'instant, j'ai envie de te dire que c'est mal barré. Attention. Ah! Seigneur! Ah! C'est là! Une des lampes vertes au-dessus de la sortie. D'accord. Est allumée. Une des lampes vertes. Les plaques de pression paires sont les bonnes. D'accord. Très bien. D'accord. Voilà. La sortie serait donc ici. Si toutes les lampes vertes s'allument, je suppose que ça ouvre cette porte. Bah c'est ça, à mon avis, il faudrait que j'aille là. Mais comment tu veux que j'y aille? Il y a sûrement un moyen de. Non? Il y a sûrement un moyen de désactiver ces pièges, non? Pose une vierge. Bah, pose une vierge. Bah, je veux bien, moi, poser une vierge. J'attends que ça de poser une vierge. Mais je la pose où, la vierge? C'est ça le délire. Tu vois? Attends, et si je la reposais là? Mais ça marche pas. Et si je changeais de vierge? Ça marche pas. Oh, il y a une vierge là-bas. Ah oui, mais c'est que les plaques paires qui sont les bonnes. Ah, j'ai trouvé! Les plaques paires sont les bonnes. Donc, 7, c'est pas pair. 4, c'est pair. Voilà. Donc, ça a dû ouvrir une autre porte pour que j'aille chercher une vierge. Alors, attends. 1, 2. J'ai combien de vierges? J'ai combien de vierges? Ça me fait bafouiller. Attends. Y'a combien de vierges là? Putain. Elles sont où ces putains de vierges là déjà là? Ça commence à me saouler, honnêtement là, franchement. J'en ai marre. Attends. J'avais pas 4 vierges tout à l'heure? J'avais pas 4 vierges? Pourquoi y'en a que 2 là? C'est pas trop la galère? Si, c'est la galère. C'est pire que ça même. C'est pire que la galère. La galère à côté, c'est moins la galère quoi. Ah ouais, il y avait une vierge là. D'accord. Ok. Putain, par contre, au niveau des piles, je vais commencer à être ricrac moi. 3 vierges, il m'en manque une. Donc, elle est forcément sur une porte que j'ai pas ouverte. Elle est forcément là. Elle est là. Non? Ah, mais vas-y, mais va te faire. Oh, comment que c'est casse-tête, franchement. Là, c'est le 8. Voilà. J'enlève du 8, ça ouvre une porte. Certainement le 5, me direz-vous. Eh, je vous assure, à mon avis, il n'y a pas que moi qui a galéré sur ce passage. Hein. Je suis sûr, il y en a plein d'autres. Voilà. Voilà. La dernière plaque paire, elle est là. On va donc commencer par celle-là. Non, et si je les faisais dans l'ordre? La 2, elle est là-bas. T'as trouvé la soluce? Attends, parce que moi aussi, je crois bien que j'ai trouvé la soluce. Est-ce qu'il faut les mettre dans l'ordre? C'est ça. La statue du couloir, la mettre en plaque 7. Je la mets en plaque 7. Trouver la corde sur le sol près d'une entrée de couloir et y entrer et aller chercher la statue au fond de celui-ci pour la poser en plaque 1. Attends, la plaque 1, elle est là. Voilà. Ensuite,
Ah, c'est comment que c'est relou, ça fait quand même 1h30 qu'on y est. Bah ouais. Obscuritas, le jeu jamais terminé. Les développeurs sont morts en créant ce jeu. Ah non, mais attends, tu m'étonnes. Laisse tomber. Ok, donc à partir de là, nous ne sommes plus en live. Oui, car en fait, ça s'est pas passé comme on voulait, malgré toutes les solutions qu'il y a eu. Bah du coup, on a bien galéré et puis on n'a pas réussi à passer le passage. Du coup, je tourne ce bout de vidéo après le live. Mon réveil Bob l'éponge indique 3h moins le quart du matin. Donc les gens qui étaient sur le live pourront vous le dire, c'était bien la galère, bien comme il faut. Et du coup, j'ai une petite solution sous les yeux. Et j'espère que ça va le faire avec ça. La statue du couloir, la mettre en 7. Donc, en 7. Ok, ça c'est parfait. Ok, ensuite, la corde, c'est par ici. D'accord. Ensuite, il nous dit, prends cette statue et la poser en plaque 1. Ok. Après, prendre la statue posée en 7 et la poser en plaque 9. Voilà, le 9. Très bien. Après, tourner dans le tunnel de droite et prendre la statue au fond du couloir face à la plaque 2. Donc, la plaque 2, elle est là. Il devrait y avoir une statue en face. C'est celle-là. Parfait. Puis, allez la poser à la plaque 5. Voilà, la plaque 5. Ensuite, allez directement en face le plus à droite et prendre la statue pour la poser en plaque 6. J'ai pas compris, là. Très bien, la plaque 6. Une des lampes vertes au-dessus de la sortie s'est allumée. Apparemment, les plaques de pression paire sont les bonnes. Ok, parfait. Oui, effectivement, il y a une lampe qui s'allumait. Il n'en reste plus qu'une allumée. Bah, je prends la 1. Et je la pose sur la 4. Oh putain. Oh putain, je vais réussir. On va réussir. Trop fort! Merci l'ami pour ta vidéo explicative, ça fait super plaisir! Ah, c'est cool comment qu'il m'a sauvé la vie là! Ouah, j'ai cru que j'allais jamais y arriver! Je déteste ça! Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? C'est le pantin? Et là, le bad, imaginez, elle arrive vers moi en courant. Putain, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aller la voir, c'est dingue. Alors que normalement, je devrais plutôt aller là-bas. Oh ! Elle va me sauter dessus. Elle va me sauter dessus. Non, j'y vais pas. Je vais plutôt là-bas. Oh putain, je vais être obligé d'y aller. C'est un cul-de-sac. Elle va me sauter dessus et moi je... Et moi je vais faire une crise cardiaque. Oh, je délire. Oh, c'est tout. Oh, ça va, ça faisait pas peur. Ok. Soit ici. Oh. On va d'abord aller ici, je pense. Oh putain, et la galère n'est pas finie là. Là en fait, j'ai passé certes l'énigme, mais il y a encore un labyrinthe. Ok, d'accord. Ce jeu va me faire perdre la boule, je vous assure. Ah, d'accord. Il y a des lumières jaunes. Excellent. Trop fort. Excellent. C'est quoi ce labyrinthe, les gens? Oh, c'est un truc de fou. Tu vois? Ok. Je pense que je vais essayer d'aller par là. Oh! Dis-moi que ça a sauvegardé la partie! Ça c'est cool. Merci. Une torche. Une torche ou un levier? On dirait une torche mais qui est pas allumée. Très bien, on va allumer Ouais, ça sert à rien que j'allume toutes les bougies non plus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh, comment que ça fait du bien de voir autre chose que les statues. Attends, on va recharger la lampe. Yes. Ah, je peux vous dire que j'en ai passé du temps avec ces vierges là.
J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. D'accord. Fermé. Oh. Oh, un diamant. Excellent. Ok. Oh oh oh. Oh non, c'est pas vrai quoi. Dis-moi pas qu'il y a encore des histoires de machins à poser je sais pas où, je sais pas quoi là. Moi j'en peux plus avec vos histoires de labyrinthe là. Putain de merde. Ouais. GG, j'ai mis le bleu à la place du rouge. C'est quoi cette salle de torture, mon vieux? Excellent! C'est le portail, mon vieux, de Stargate. Trop fort, mon vieux. Sachant que je vais bouffer toutes les piles de ma lampe, moi. Il y a encore une porte là. Putain, il y a des portes partout, en fait. Attends, je vais voir si c'est ouvert là-bas. À moins qu'il faut une clé. D'accord. Ça fait bader là-dedans. Mais c'est pas vrai quoi. Ça va être quoi cette histoire avec les diamants là? Tiens, je vais allumer une bougie moi. Ah GG, j'ai plus d'allumettes. Bravo. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai comme l'impression que ça va être la galère. Ah bah attendez. Là il y a une lumière bleue. Donc bah ouais bah j'ai pas le bleu, super. Là il y a une lumière bleue donc c'est peut-être le bleu qu'il faut poser. Peut-être hein. Je sais pas, je vois ça comme ça. Attends, je dis ça, ça se trouve toutes les lumières elles sont bleues mon vieux dans toutes les salles. Et là je serais pas emmerdé. Attendez, on va essayer. Peut-être que c'est ça, peut-être que je raconte de la merde. À mon avis je raconte de la merde. Bah bon, faut bien essayer, hein. Ah bah non. Toutes les lumières sont bleues. Ok, d'accord. Je racontais bel et bien de la merde. Oh. D'accord, 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 d'accord. Très bien, très bien, très bien. Pourquoi pas. Je sens que ça va être encore un gros, gros casse-tête. Je sens que je vais repasser 4 heures là-dessus. Ça va être un truc de malade. Oh putain, comment il fait flipper lui. Stylé. Et si je prenais celui-là à la place de celui-là. Attendez, à plus. Il y a quelque chose par ici qui ne fonctionne pas correctement. Ah. Ok, ok, ok. Ok, d'accord. Très bien. Donc là, pour moi, ça s'allume en vert. Ça voudrait peut-être dire qu'il faut que je mette le vert. Il manque apparemment une pièce ici. Il manque une pièce ici? Bah oui, moi j'aurais bien dit qu'il manquait un bout d'escalier. C'était quoi cette ombre? Vous avez vu? J'aurais bien dit qu'il manque un bout d'escalier, ouais, carrément. Pire qu'il manque une pièce. Ah oui, d'accord, ça c'était le jaune. D'accord. Ensuite, ah c'est le mode d'emploi. Ensuite, 2, c'est le machin comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est ça. Manquerait-il pas un engrenage, des fois? Est-ce qu'il manquerait pas... J'ai... Je m'en doutais. Je vous dis, des fois, franchement, c'est le casse-tête à mort. C'est le casse-tête à mort. Ah ben voilà, impeccable. Ça y est? J'ai gagné là? Attends, est-ce que j'ai gagné là? Ou j'ai rien gagné? Putain, je vais trop vite moi, franchement, à courir partout là. Faudrait que je fasse pièce par pièce. J'imagine que je dois choisir la bonne combinaison de 3 symboles.
Arthur a dû la noter quelque part. Ouais. Ouais, je le vois. Il a dû la noter quelque part par là, je pense. Putain, c'est quoi cette mouche que j'ai sur mon écran là? Dégage. Je pense qu'il l'a noté quelque part par ici. Faudrait que... Ah! T'as carrément pas le droit à l'erreur quoi. Bon écoutez, on va s'arrêter ici pour cet épisode sur Obscuritas. Donc cet épisode était très riche en énigmes. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc eh bien si vous voulez que cette série continue, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo. Pourquoi pas la partager. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.